Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exotcall, aujourd'hui numéro 74. Et pour ce numéro, je vous propose la résolution de ce système d'équations différentielles d'inconnus x, y, z, des fonctions qui vont être c1 de r vers r. Bon, voilà, c'est un exercice somme toute classique de deuxième année de classe préparatoire, à savoir résoudre des systèmes d'équations différentielles. Voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend et qu'on manipule à plusieurs reprises pour s'assurer qu'on sait bien faire ces choses-là. À savoir que ce type de système d'équations différentielles peut apparaître dans le cadre de modélisation de phénomènes physiques ou chimiques. Et donc, bon, bah, savoir résoudre ces équations différentielles permet d'avoir connaissance assez complète de la modélisation et donc de comment va se comporter cette modélisation suivant t. Donc ici, t serait le temps. Donc voilà, c'est un truc assez classique à savoir, mais voilà, c'est bien peut-être de le rappeler. Et savoir résoudre des systèmes d'équations différentielles, ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment savoir en deuxième année de classe préparatoire. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous ajouter, hein. J'aimerais pas vous donner quoi que ce soit comme indication pour l'instant. N'hésitez pas donc à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre ce système d'équations avant que je ne vous dise quoi que ce soit. Bien, alors je le dis maintenant, la résolution que je vais proposer, c'est une résolution adaptée aux deuxième années de classe préparatoire. Il est des résolutions pour des niveaux supérieurs qui peuvent être données de manière beaucoup plus rapide. Mais toutefois, ça demande de faire un petit calcul de quelque chose. Mais j'en parlerai vraiment à la fin hein, de tout ce que je vais vous faire maintenant. Je vais vous faire d'abord une résolution qui est adaptée pour les deuxièmes années de classe préparatoire. Et à la fin, je pourrais digresser un petit peu sur qu'est-ce qui se passerait si je voulais vous donner une résolution plus rapide en utilisant des outils avancés. Mais voilà, je tiens à le signaler avant qu'on me mette en commentaire. Ah bah, je pouvais faire comme ça et puis hop, c'est fait. D'accord ? Donc oui, je sais qu'il y a une résolution plus rapide. Et cette résolution plus rapide, je vous la donnerai à la fin. Mais d'abord, je vais vous donner une résolution type deuxième année de classe préparatoire. Alors, pour cela, dans un premier temps, vous devez remarquer que ce système d'équations différentielles peut s'écrire sous la forme matricielle. C'est le point de départ de tout. Je vais noter x' égale ax, avec x, c'est le vecteur formé des fonctions x, y, z. Et puis a, ça va être la matrice qu'on peut lire en lisant les coefficients ligne par ligne. Donc 5, moins 3, moins 5, 1, 0, moins 4... 2, moins 3, moins 2. Et donc, pour tenter de résoudre ce système d'équations différentielles, je vais chercher à faire de la réduction sur cette matrice. Donc faire de la réduction, ça veut dire, est-ce que la matrice est diagonalisable ou pas? Si elle est diagonalisable, je la diagonalise. Si elle n'est pas diagonalisable, il faudra se poser des questions autour de ça, comment on peut avancer. Mais pour l'instant, voilà, on se lance tranquillement à faire de la réduction. Et qui dit réduction, dit première chose à calculer, le polynôme caractéristique. Donc c'est parti, on se lance, polynôme caractéristique, donc c'est le déterminant de x moins identité. Certains pourraient faire déterminant, alors j'ai jamais pas terminé la formule en fait, donc déterminant de x identité moins la matrice, mais certains pourraient faire le calcul de la matrice moins x identité, à la fin on en reviendrait quasiment, enfin en tout cas à la fin de toutes ces opérations avec la question de matrice de passage, diagonalisation, etc., etc. À la fin de tout ce bagage là, de toute cette affaire, on arriverait quand même à conclure les mêmes solutions. D'accord ? Donc vous en faites pas là, et ce qui va juste changer ici, c'est un signe moins. Donc les valeurs propres vont être les mêmes déjà, rien que ça, bon. Bref, donc, alors, je vais avoir ici x moins 5, 3, 5, moins 1, x, 4, moins 2, 3, x plus 2. Donc voilà, je dois calculer ce déterminant. Pour calculer ce déterminant, bon, soit on le fait en faisant des développements suivant les lignes et les colonnes, soit on le fait en essayant de simplifier certaines lignes, certaines colonnes pour que ça donne des zéros et qu'on puisse développer quand même un peu plus facilement. Ou alors on peut utiliser une grosse formule qui permet directement de donner le polynôme caractéristique, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Ici, j'aimerais vous donner une autre formule, donc bon... Je l'ai probablement déjà donné dans un autre exercice, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de le manipuler, c'est la formule de Sylvester. Donc la formule de Sylvester, le principe est le suivant, je vais compléter ma matrice avec deux colonnes qui sont les copies des deux premières, donc 3x et 3, ok. Donc je complète, et une fois que j'ai complété, je vais calculer avec des diagonales. Donc les diagonales que je vais faire dans ce sens-là, vont être
attribué d'un signe plus. Les diagonales que je vais lire dans ce sens-là, j'aurais peut-être dû le faire d'une autre couleur, mais tant pis. Eh bien, je vais leur attribuer un signe moins, et puis une fois que j'ai fait ça, je les additionne ou soustrais suivant les signes, bien sûr. Donc là, c'est la formule de Sylvester. Je le précise tout de suite, hein, cette formule n'est valable que si vous faites des matrices 3x3, d'accord? Donc des matrices 4x4 et tout ça, ce type de formule ne fonctionne plus. Mais bon, ça peut être intéressant de le savoir le faire pour des matrices 3x3, hein, ça permet de gagner pas mal de temps sur certains calculs. Donc bon, c'est pour ça que je vous le redonne. Alors bon, là, je vais donc y aller franco et faire le calcul comme ça, de manière abrupte. Donc on va avoir x-5. C'est sûr qu'on pourrait peut-être le faire de manière plus intelligente, mais laissez-moi le faire comme ça. Ça montre aussi que, bon, voilà, il faut savoir être bon dans les calculs quand on fait ce genre de choses. Donc, on va avoir moins 24, et puis ensuite, on a moins 15, et puis ensuite, moins, et là, je fais les diagonales dans ce sens. Donc, moins 10x, donc moins moins 10x, ok. Ensuite, on va avoir plus 12x moins 5. Et enfin, moins 3 fois x plus 2. Voilà, donc ça, c'est ce que j'obtiens en développant suivant chacune des diagonales. Donc chaque produit correspond à une diagonale. Très bien. Donc maintenant, alors je développe ce truc-là au milieu. Je vais avoir x cube moins 3x carré et puis moins 10x. Ok. Ensuite, j'ai moins 24, moins 15. Bon, si vous voulez, on peut le simplifier, ça fait moins 39. Ok, et puis après, il me reste quoi? Alors là, il faut que j'attribue le signe moins. Donc, il y a plus 10x. Donc ça, c'est cool, ça va simplifier. Ensuite, plus 12, pas plus, moins 12x. Donc, moins 12x. Moins 12x plus 5 fois 12, 60. Oui, c'est ça, 60. Oui, 60. Donc 5 fois 12, 60, très bien. Et puis ensuite, moins moins plus, 3x, et 3x avec, du coup, 6, donc plus 6. Ok, voilà ce que j'obtiens. Donc après, les x, je suis assez content, il y a pas mal de choses qui se simplifient. Paf, paf, par exemple. Puis il y a le moins 12x avec le plus 3x, ça va me donner moins 9x. Donc j'obtiens alors x cube, moins 3x carré. Moins 9x. Ok, et puis alors le terme constant qui est peut-être un peu embêtant à calculer, on obtient alors moins 39, moins 39, moins 33, moins 33 plus 60, ça nous fait 27, si je dis pas de bêtises, donc plus 27. Voilà, donc j'obtiens ce joli polynôme caractéristique, hein, donc ce que je viens d'écrire, c'est le polynôme caractéristique. Reste à déterminer les racines. Comme on a un polynôme de degré 3, c'est pas la peine de se lancer à utiliser des méthodes de style méthode de Cardan, des trucs comme ça. Ce type de formule, en général, donne des solutions qui sont vraiment pas très belles. Et là, je vous confère vers un des premiers exocolles. Je crois que c'était l'exocole numéro 2. Donc je vous confère à aller le revoir, ce numéro, cet exocolle, c'est un exocolle, donc cet exocolle numéro 2, pour voir qu'en effet on peut se retrouver avec des formules ignobles, avec les méthodes de Cardan qui finalement donnent une solution très simple. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de tenter de trouver une racine évidente, et si on réfléchit assez bien, on se rend compte que 3 est une solution évidente. Donc en effet, 3 au cube, moins 3 fois 3 au carré, ensuite on a moins 9 fois 3 plus 27, donc le 27 se simplifie avec lui, et puis lui se simplifie avec lui, donc en effet ça marche, ça fait bien 0. Donc maintenant que j'ai trouvé évident, je fais une petite division euclidienne, je vais peut-être pas effacer ça, je vais faire une division euclidienne, hein. Normalement on s'en doute un peu, donc x cube moins 3x carré moins 9x plus 27, division euclidienne par x moins 3, parce que j'ai trouvé comme solution 3. Donc du coup, ça y va, x carré fois, j'enlève donc x carré plus 3x, 3x carré, bah ouais, donc ça fait 0 apparemment, très bien. Et puis si je regarde lui ici, bah, je vais avoir moins 9 a priori, et donc moins 9x, et on voit que normalement tout colle, hein, donc ça fait plus 9x moins 27,
Super, ça fait 0, donc très bien. Donc du coup, on se retrouve avec un polynôme bien gentil. Hein. Donc on a alors qui a est égal à x moins 3 fois x carré moins 9. Et x carré moins 9, c'est a carré moins b carré, on le reconnaît. Ça fait x moins 3 au carré, donc fois x plus 3. Yes. Donc on a deux valeurs propres qui sont 3 et moins 3. Et maintenant la question c'est est-ce que avec ces valeurs propres on va pouvoir s'en sortir et montrer qu'elle est diagonalisable. Vous pourriez me poser la question pourquoi je cherche à tout prix à savoir si la matrice est diagonalisable. Je vous l'expliquerai une fois que j'aurai terminé mes calculs pour vérifier si la matrice est diagonalisable ou pas. En tout cas pour l'instant on ne peut pas affirmer si la matrice est diagonalisable parce que là on n'a pas trois valeurs propres distinctes. Hein. Vous connaissez peut-être ce résultat classique. Si j'ai trois valeurs propres distinctes dans une matrice 3 x 3, la matrice est diagonalisable direct. Il n'y a pas de question à se poser. Là, par contre, j'ai deux valeurs propres. Donc ça ne marche pas. Il faut vraiment s'assurer que les dimensions des espaces propres correspondent aux multiplicités des zéros du polynôme caractéristique. Donc, bah, on est parti pour étudier les espaces propres. Je vais commencer par regarder l'espace propre pour la valeur propre 3. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Donc x, y... Ouais, bon. Alors le x, y, z que j'ai écrit, c'est pas le même x, y, z que j'ai écrit là-haut, c'est juste le truc usuel à faire quand on veut avoir les valeurs propres. Hein. Donc là, je cherche u tel que a, u égale 3 fois u. Donc je vais avoir le système suivant. Alors 5x moins 3, y moins 5, z est égal à 3 fois... Donc ça fait 3 fois x, très bien. Ensuite, j'ai x... moins 4z qui doit être égal à 3y. Et enfin, j'ai 2x moins 3y moins 2z qui doit être égal à 3z. Très bien, donc on va chercher à résoudre ce système d'équations. On ne pourra pas le résoudre entièrement, bien sûr. On va avoir une famille de solutions qui va être infinie. Le tout est de déterminer des vecteurs qui engendrent l'espace propre pour la valeur propre 3. Très bien, alors si je regarde cette équation, je me retrouve alors avec 2x moins 3y moins 5z qui doit valoir 0. Si je regarde cette équation, je me retrouve avec x moins 3y moins 4z qui doit être égal à 0. Et la dernière équation, si je mets les z de l'autre côté, j'obtiens alors 2x moins 3y et du coup moins 5z. Égale 0. Là, on voit tout de suite que les deux équations qui sont ici, là, en haut et en bas, sont les mêmes. Très bien, donc c'est pas la peine de s'attarder plus longtemps. La dernière équation, je peux l'effacer. Maintenant, je regarde ces deux équations, j'essaye de simplifier un petit peu ce que je peux simplifier. Par exemple, je vois que si je fais la soustraction des deux lignes, donc notamment si je fais cette ligne moins cette ligne, ou ce serait peut-être bien de le faire dans ce sens-là, je sais pas, ou dans l'autre sens, peu importe. Donc si je le fais plutôt dans l'autre sens, je pense que dans l'autre sens, ça peut être plutôt sympa. Donc si je le fais lui moins lui, je vois que je vais obtenir alors donc x, donc 2x, là, ça s'en va, et là ça va me donner moins z. Donc x moins z égale 0, donc très bien, on voit que x égale z. Maintenant je reprends une des deux équations, n'importe laquelle, je remplace. Donc si x égale z, je remplace ici, ça va faire moins 3x égale moins... enfin donc moins 3x moins 3y égale 0, donc ça veut dire en fait que y égale moins x. Donc voilà, j'obtiens donc ces équations-là, et bah, vous remarquez alors que j'ai donc deux plans, hein, c'est des équations de plans hein, dans l'espace R3, je me retrouve avec deux plans qui ne sont pas coplanaires. Et ça va être un petit peu ennuyeux, parce que du coup on se retrouve alors avec un espace propre qui va être de dimension 1. Donc là ici l'espace propre de dimension 1, on le devine, ça va nous donner donc là ici l'espace propre pour la valeur propre 3. De la matrice et l'espace propre, enfin l'espace vectoriel engendré par le vecteur par exemple. Bon là j'ai le choix, si je choisis x égale 1, je dois avoir y égale moins 1 et z égale 1. Et donc c'est un problème par rapport au fait de savoir si la matrice est diagonalisable ou pas, parce que bah, la multiplicité de la racine dans le polynôme caractéristique c'est 2, et ici on se retrouve avec un espace propre de dimension 1. Donc ça veut dire que la matrice n'est malheureusement pas diagonalisable. Et là, bon, on se sent peut-être un peu désarmé, mais bon. Ok. Je vais vous expliquer qu'on peut quand même s'en sortir et finir par résoudre l'équation, le système d'équations différentielles. J'aimerais juste faire une aparté sur pourquoi est-ce que c'était intéressant de voir si la matrice était diagonalisable.
Alors, le pourquoi, parce que bon, il y en a certains peut-être qui ne se souviennent pas pourquoi on fait ça, ou voire même qui ne savent pas pourquoi on fait ça, parce qu'ils sont en train de découvrir la notion, en tout cas, ce type de système d'équation différentielle, et se posent la question comment on pourrait résoudre, et ils se disent bah, pourquoi on cherche à diagonaliser. Maintenant, j'explique. Si on arrivait à diagonaliser la matrice, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait fait la chose suivante. X' égale P moins 1, P fois D fois P moins 1, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc on aurait sorti la matrice de passage, on aurait sorti la matrice diagonale, on aurait ceci, et on pourrait faire un changement de variable qui serait Z égale P moins 1 fois X. En effectuant ce changement de variable, on va se retrouver avec un système, donc si vous multipliez par P moins 1 à gauche de chaque côté, vous vous retrouvez finalement avec grand Z' qui est égal à D fois Z. Si vous ne le voyez pas encore, ça veut dire du coup que si j'écris Z comme le vecteur de fonction ABC, comme ceci, eh bien je vais avoir que A' égale lambda 1 A, B' égale lambda 2 B, et C' égale lambda 3 C. Et chacune de ces équations, je peux les résoudre, hein, c'est des équations du premier ordre classique. La première, je vais pouvoir dire que ça va être une certaine constante fois exponentielle de lambda 1 t. La deuxième, ça va être k2 exponentielle lambda 2 t. Et enfin, k3 exponentielle lambda 3 t. Donc je m'en trouverai avec abc qui vaudrait cette chose. Et puis ensuite, je dois retrouver x. Pour retrouver x, je ferai p fois z. Et donc je multiplierai par la matrice de passage. Ce que j'ai comme résultat, j'obtiendrai donc les solutions de l'équation différentielle de départ. Voilà comment ça se passerait si la matrice était diagonalisable. Malheureusement pour nous, elle n'est pas diagonalisable. Donc, la méthode qui est là ne fonctionne pas en tant que telle. Mais vous allez voir qu'on va quand même pouvoir s'en sortir. Je vais vous expliquer comment. Pour l'instant, continuons à étudier les espaces propres. Donc, si on continue à étudier les espaces propres, il nous faut étudier... Donc, bah, je fais comme tout à l'heure, je prends mon vecteur, x, y, blam, ça, je veux que AU égale moins 3U, j'écris les équations, donc ça veut dire alors que 5x moins 3y moins 5z est égal à moins 3x, que x moins 4z doit être égal à... moins 3y, et le dernier, que 2x moins 3y moins 2z est égal à moins 3y. Ok, alors quand je regarde les équations, je me rends compte de quelque chose d'assez sympa, c'est déjà que la dernière équation se simplifie beaucoup. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, c'est pas ça, c'était moins 3z, bon. Excusez-moi, là, je m'emballe. Donc, ça marche, mais c'était moins 3z. Excusez-moi. C'est pas le moment de faire une erreur, quand même. Hein. Donc, alors maintenant, si je regarde cette équation, dans des yeux, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, je vais avoir ici un z, je suis plutôt content. Donc, en fait, je peux écrire que on a 2x, donc je vais reprendre l'équation de tout en bas, là. Donc, on a 2x moins 3y plus z qui est égal à 0. D'accord. La ligne d'en haut ici, on a x plus 3y moins 4z qui est égal à 0. Et la ligne ici, le x, je mets de côté, ça fait 8x moins 3y moins 5z qui doit valoir 0. J'ai très envie de faire des opérations entre les lignes. Je vois que le 3x ici pourrait se simplifier si j'additionne ces deux lignes. Donc quand j'additionne ces deux lignes, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3x. Qui doit donc là ça fait 0, et puis là si j'additionne ça fait moins 3z égale 0. Donc si j'ai pas fait de bêtises, ça me dit que x égale z. A priori j'en ai pas fait. Et puis si j'additionne ces deux lignes, pareil, je vais pouvoir me débarrasser des y. J'ai peur que ça me donne la même chose par contre. Oui, ça me donne la même chose. Ok, donc je vais pas additionner ces deux lignes, je vais plutôt faire autre chose. Je vais regarder la première et la dernière. Il faudrait pouvoir dire quelque chose concernant y. Pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose concernant y. Ouais, bon, autant que je prenne une des équations, en fait. Hein, je ne vais peut-être pas m'embêter plus que ça. Donc, si je prends juste une des équations, puis je remplace x par z, ou z par x, peu importe, ça me donne que moins 3x
Donc on va avoir moins 3x. Moins 3x plus 3y égale 0. Donc ça veut dire que x égale y. Ok, et normalement, toutes les équations marchent. Si je mets x égale y égale z, en effet, la somme des coefficients fait 0 à chaque fois. Ouais, c'est bon. Okay. Donc très bien, ça veut dire qu'on n'a qu'un vecteur qui marche. Et ici, c'est 1, 1, 1. Tac. Donc l'espace propre pour la valeur propre, moins 3, c'est ceci. Bon. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, et qu'on n'a pas fait de faute, a priori en tout cas, parce qu'on se retrouve avec des vecteurs propres sympas, etc. Vous doutez bien que si j'ai posé ce système d'équations, j'ai quand même essayé de faire en sorte que les calculs soient plutôt cool. Alors du coup, maintenant que j'ai ça, je sais quand même quelque chose, hein, je sais quand même que ce polynôme normalement est censé être un polynôme annulateur de ma matrice. Et donc ça veut dire que normalement, l'espace propre pour la valeur propre moins 3 est en somme directe avec quelque chose qui contient l'espace propre pour la valeur propre 3. Ce quelque chose, c'est le noyau de la matrice moins 3 fois identité au carré. Alors ce que je pourrais faire, c'est chercher un vecteur qui complète la base qui est ici et qui appartient au noyau de A moins 3 identités au carré. Je pourrais faire ça. Ok. Un autre truc, un peu abrupt, mais qui marche aussi, c'est que, vous devriez savoir, et là je lance quelque chose qui normalement est connu, vous devriez savoir que n'importe quelle matrice dans C est trigonalisable. Donc ça veut dire que, au pire du pire, je peux trigonaliser la matrice. Et ici, la trigonaliser, ça ne va pas être très dur. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque un vecteur à choisir pour avoir une base. Et donc, une fois que j'aurai choisi ce vecteur, je suis sûr, quasiment à 100, enfin, en fait à 100%, je suis sûr à 100% que ce que je vais obtenir, ça va être une matrice triangulaire, supérieure ou inférieure. Voilà, a priori, ça va être supérieure. Donc je pourrais très bien soit choisir de juste compléter la base que j'ai pour l'instant, qui est donnée par ces deux vecteurs, la compléter pour que ça colle avec l'espace propre pour la valeur propre 3, peut-être ça peut être bien. Mais je peux aussi choisir de la compléter de manière pas trop bébête, en disant, en fait, oui, il faut que le dernier vecteur appartienne à l'espace engendré ici par le noyau de A moins 3 fois identité au carré. Je pourrais également faire ça. Ok. Alors... voilà, on a le choix. Moi, je pense que je vais partir pour ce truc-là. Je pense que ça peut être une bonne idée de partir dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que c'est très lié à une connaissance qu'on n'a pas forcément en deuxième année de classe préparatoire, mais dont on a déjà entendu parler. C'est la décomposition en bloc de Jordan, donc d'une matrice. Donc si on a ça en tête, ça paraît un petit peu plus intelligent de regarder qu'est-ce qui se passe pour cet espace propre. Donc c'est ce que je vais faire. Alors du coup, je vais regarder ma matrice... 1 moins 3 identité et je vais la regarder au carré. Donc 1 moins 3 identité, alors j'ai si on fait pas de bêtises. Donc 3 mince. J'ai fait une bêtise. Donc 2 moins 3 moins 5 1 moins 3 ensuite moins 4 et puis 2 moins 3 moins 5. Ok. Et ça, je dois le faire au carré. Très bien. Allez, hop, on calcule cette matrice au carré, on est chaud. Donc, on va avoir 4 moins 3, moins, donc ça fait 1, et 1 moins 10, ça fait moins 9. Ensuite, le suivant, moins 6. Moins 6 plus 9, ça fait 3. 3 plus 15, ça nous fait 18. Le suivant, donc moins 10. Moins 10, moins 12. Moins 10 plus 12, ça fait 2. 2 et 25, ça nous fait 27. Donc on a 27 ici. Très bien. Next. Alors, next. Là, il faut que je regarde cette ligne-là plutôt. Donc, 2 fois 1. Donc, 2 fois 1, 2. OK. Ensuite, moins 3. Donc, ça fait moins 1. Moins 1, moins 8. Ça fait moins 9. Le suivant. Moins 3. Moins 3 plus 9, ça fait 6. 6 plus 12, ça fait 18. Tu as remarqué qu'il y a des trucs qui se passent plutôt bien apparemment. Puis, moins 5, moins 5, moins 5 plus 12, moins 5. Moins 5 plus 12,
Ouais, c'est ça. Moins 5 plus 12, ça va faire 7. Et 7 plus 20, ça va faire 27. Dernière. Voyons qu'est-ce qui se passe pour la dernière. Alors, 4. 4 moins 3, ça fait 1. 1, 1 moins 10, ça fait moins 9. Encore une fois, moins 9. Ensuite, on va y arriver. Moins 6. Moins 6 plus 9, ça fait 3. 3... 3 plus 15, ça fait 18. Bon, et je pense que vous le sentez venir, donc je vais quand même le faire correctement. Moins 10, moins 10 plus 12, ça fait 2. 2 plus 25, ça fait 27. Voilà. Ça donne quelque chose d'assez sympathique, hein, d'assez joli quand même comme truc. Donc, très bien. Alors, on voit que bah, si on veut être dans le noyau de cette matrice, il va falloir que moins 9x plus 18y plus 27z soit égal à 0. Moins x plus, donc si je divise par 9, 2y, et si je divise par 9, on a ici 3, z égale 0. Et donc ce que je peux faire, c'est choisir un vecteur dans cet espace, tel que bah, j'ai déjà un vecteur normalement qui est dans cet espace, qui est ce vecteur-là, on peut peut-être s'amuser à le vérifier. Donc en effet, si je fais moins 1, donc là x égale 1, donc moins 1, y égale moins 1, donc moins 1 moins 2, et z égale 1, donc moins 1 moins 2 plus 3, ça fait bien 0. Donc ce vecteur-là, il est bien dans cet espace propre. C'est ce que j'affirmais tout à l'heure. Maintenant, je veux compléter ce vecteur par une base de l'espace ici, donc de l'espace donné par le noyau de ce truc. Et donc, bah, il faut que je trouve un autre vecteur qui n'est pas celui-là. Alors, bon, a priori, je peux choisir n'importe quel vecteur. Je pourrais encore la faire de manière intelligente si je connais la décomposition en bloc de Jordan. Est-ce que je vais chercher à la faire de manière intelligente? Je pense que non, on va pas s'embêter avec ça. Donc je vais prendre juste un vecteur qui complète la base. Un vecteur qui complète la base, ça pourrait être, je sais pas, je vais dire z... Qu'est-ce qui est le meilleur choix ici? Bon, je vais peut-être mettre z égale 0, et du coup je mets x égale 2 et y égale 1. Voilà, donc là par exemple ce vecteur-là complète la base. Donc la base que je pourrais prendre, ça serait... disons 1, moins 1, 1. Donc ça, ce serait le premier vecteur. Le deuxième vecteur, je vais mettre le vecteur que je viens de trouver, qui est donc 2, 2, 1, 0. Et puis le dernier vecteur, c'est 1, 1, 1. Sachez qu'on peut toujours faire ça. Hein. Après, bon, ça demande des résolutions d'équations. Hein, donc on peut toujours faire ça. Hein. Si on n'avait pas une matrice diagonalisable, et qu'on aurait peut-être puissance 3, puissance 2, ben on peut toujours compléter de cette manière-là en regardant qu'est-ce qui se passe pour les carrés. Ça demande du calcul supplémentaire, mais ça marche toujours. Sinon, si on a une idée vraiment précise de ce à quoi doivent ressembler les blocs de Jordan, ben on peut essayer de chercher un vecteur qui vérifie une certaine propriété pour que ça colle avec la décomposition en blocs de Jordan. Ici, je ne vais pas jusqu'au bout du délire, j'ai juste choisi un vecteur comme ça, un peu au hasard, qui appartenait à cet espace. D'accord ? Et qui complète la base, bien sûr. Mais je pouvais choisir ce vecteur-là de manière à avoir quelque chose d'un peu plus simple. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, j'efface, et je peux maintenant préciser quelle va être ma matrice de passage. Alors, ma matrice de passage, P, ça va être la matrice donnée par ces vecteurs, donc 1, moins 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1. Et maintenant, si je veux connaître la nouvelle matrice qui va se trouver au milieu, qui ne va pas être une matrice diagonalisable, enfin, qui ne va pas être une matrice diagonale, mais une matrice triangulaire, il faut que je regarde l'image de chacun de ces vecteurs par rapport à ces vecteurs eux-mêmes. Donc, bon, il y en a, c'est facile. Lui, on sait déjà que ça doit être 3 fois lui-même, hein, donc on va voir ceci. Lui aussi, on sait déjà que ça doit faire moins 3 fois lui-même. Reste à savoir qu'est-ce qui se passe pour 2, 1, 0. Et comme on a fait les choses pour que ça fonctionne bien, vous allez voir que l'image de 2, 1, 0 ne pourra pas être n'importe quoi par rapport au précédent vecteur. Donc si je calcule 1 fois le vecteur, donc 2, 1, 0, qu'est-ce que j'obtiens? Alors là, encore une fois, on s'accroche et on obtient alors 10, 10 moins 3, ça fait 7. Ensuite, on a 2. Et puis ensuite, on a 4 moins 3, ça fait 1. Ok, on obtient ce vecteur-là. Ce vecteur-là, donc, si je veux essayer de décomposer avec ces deux... Moi, j'affirme qu'on peut l'écrire en fonction de ces deux vecteurs-là. Et la réponse est oui, en effet. Car on peut l'écrire comme ce vecteur. Ok, et du coup, si j'enlève ce vecteur à ce vecteur, donc là, il n'y a plus de 1 ici. Ici, j'obtiens 3. Ici, j'obtiens 6. Et donc, on voit que ça fait 3 fois le vecteur qui est là.
Donc plus 3 fois 2, 1, 0. Bon bah ça va, sans forcément, donc je sais pas si c'est toujours vérifié, mais en tout cas sans forcément le vouloir, j'ai réussi à avoir une décomposition en bloc de Jordan. C'était pas tout à fait prévu que j'obtienne vraiment un bloc de Jordan, mais apparemment oui, j'obtiens bien un bloc de Jordan. Donc là, j'ai une fois ce vecteur, et un 3 ici, 0 là. Et voilà, j'ai réussi à avoir une matrice triangulaire supérieure. Très bien, et vous allez voir qu'avec cette matrice triangulaire supérieure, je vais quand même pouvoir résoudre mon système d'équations différentielles. Bien! J'espère que vous n'êtes pas tout perdu avec tous ces calculs qui sont arrivés là. Donc, bon, bah maintenant, je vais avancer et tenter de conclure toute cette affaire. Donc, je vais effacer. Maintenant, j'ai plus besoin de la base parce qu'elle est déjà écrite là. Et je vais faire exactement ce que j'ai dit dans le cas où la matrice était diagonalisable. Donc, c'est-à-dire que, ok, maintenant là, je peux dire que j'ai l'équation x' égale p fois la matrice t fois la matrice p-1 fois x. Et donc faire le petit changement de variable que j'ai fait tout à l'heure avec le cas diagonalisable, z égale p-1 x, et réécrire ce truc-là sous la forme, finalement, z' égale t fois z. Maintenant, si j'écris z comme un vecteur de fonction abc, alors je vais avoir la chose suivante. Je vais avoir que a égale 3a plus b. Je vais avoir que B' est égal à 3 fois B. Et puis je vais avoir que C' est égal à moins 3 fois C. Il y a deux des trois équations qui sont très simples à résoudre. Là, on a ça qui va me donner qu'on a K3 fois exponentielle de moins 3T, hein, tout simplement. Lui, on va avoir K2 exponentielle de 3T. Et maintenant que j'ai réussi à trouver B, je peux le plugger donc dans ce qui s'est passé là-haut, ok, et avoir une nouvelle équation qui s'écrit A' moins 3A est égal à K2 fois exponentielle 3T. Et ça, ça donne une nouvelle équation différentielle que je peux résoudre, qui va dépendre de K2, mais je vais quand même pouvoir le résoudre. Donc si je résous l'équation homogène, j'obtiens alors K1 fois exponentielle 3T, ça d'accord. Et puis après, maintenant, si je veux trouver une solution qui marche, une solution particulière qui marche, je sais, alors là, bon, soit vous faites de la méthode de variation de la constante, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose, soit, si on l'a fait de manière un petit peu plus intelligente, en fait, on peut vérifier qu'on va avoir une solution qui s'écrit une constante fois t fois exponentielle de 3t. D'accord ? Donc, je vais préférer ça pour gagner du temps, mais sinon, méthode de variation de la constante, ça fonctionne. Donc, si je cherche une solution qui s'écrit comme ça, je vais avoir c fois 3 fois t exponentielle 3t moins alors si je dérive donc alors la dérive j'ai mal fait ma dérivée là, attendez juste deux secondes, donc si je dérive t fois exponentielle, donc juste qu'on soit clair, j'affirme que la solution une solution particulière peut s'écrire constante fois t fois exponentielle 3t, donc si je dérive je vais avoir 3ct exponentielle 3t plus, et attention, hein, on fait u fois v, hein, donc on a c fois exponentielle 3t, très bien, et puis moins 3 fois la fonction elle-même, donc moins 3 fois c fois t exponentielle 3t, et ça on veut que ce soit égal à k2 fois exponentielle 3t, et donc là on voit que ça se simplifie. On se retrouve avec C fois exponentielle 3T qui doit être égal à ça, donc ça veut dire... Donc conclusion, les solutions ici s'écrivent K1 exponentielle 3T plus K2 T fois exponentielle 3T. Voilà, très bien. Donc ça y est, j'ai réussi à avoir toutes les solutions que je voulais, et maintenant, je fais exactement ce que j'ai dit dans le cas diagonalisable. Donc je vais peut-être effacer ici, parce que j'ai plus besoin de ces calculs, depuis un moment en fait. Hein ? Donc si je reviens maintenant ici, eh bien j'affirme en fait que pour trouver x, il me reste à faire p fois z. Et donc p fois z, ça veut dire que je dois prendre ma matrice de passage, 1, 2, 1, moins 1, 1, 1, 1, 0, 1, et je dois la multiplier par la solution que j'ai trouvée, les solutions que j'ai trouvées. Donc là j'ai k1, k2, t exponentielle 3t. Ensuite,
Là, j'ai K2 exponentielle 3T. Exponentielle moins 3T. Voilà. Et donc maintenant, si je fais le calcul, bah, on a terminé. Hein. Donc on va avoir alors K plus... Donc, peut-être que je peux mettre tout avec exponentielle 3T si c'est possible. Donc on a... donc K2T, puis deux fois celui-là. Donc on va avoir plus K2, T plus 2, exponentielle 3T. C'est ça. Puis après plus K3, donc tout ça c'est devant exponentielle 3T. Et puis K3, exponentielle moins 3T. Le suivant, on va avoir moins K1, plus K2 fois moins T plus 1. Et tout fois exponentielle 3t et puis ensuite plus k3. Donc après c'est que du calcul hein. On a fait vraiment le plus dur hein. Maintenant on a terminé hein, pour ainsi dire. Donc après on a k1 plus k2 fois t, le tout exponentielle 3t et puis juste k3, plus k3 exponentielle 3t. Et voilà, on a donc terminé. Donc voilà les solutions. Je mets une parenthèse entre vous ici. Mais voilà donc les solutions à l'équation différentielle de départ. C'est joli quand même, hein. J'espère que vous en êtes convaincus. C'est quand même assez joli de voir une intersection entre la résolution d'équations différentielles, donc un peu d'analyse et un peu d'algèbre, puisqu'il a fallu faire de la réduction sur les matrices. Alors, même si la matrice n'est pas diagonalisable, on peut quand même la trigonaliser. Et trouver des solutions étape par étape. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une matrice triangulaire, je trouve une solution ici, puis cette solution ici va se répercuter peut-être au-dessus, je trouve une solution ici, une fois que j'ai la solution ici, elle va se répercuter au-dessus, j'ai encore une équation que je peux résoudre, etc. etc. Donc même si elle est juste trigonalisable, c'est pas un problème, on peut quand même s'en sortir pour résoudre l'équation différentielle. C'est, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut quand même avoir en tête. Un autre truc, c'est que oui, que la connaissance en décomposition en bloc de Jordan est quand même plus ou moins utile par rapport à cette résolution, mais j'affirme que vous n'aviez pas forcément besoin de ça. Y a bien sûr, si vous avez fait les calculs un petit peu différemment, vous n'avez peut-être pas trouvé les mêmes matrices et tout ça, mais normalement, vous êtes censé trouver les mêmes solutions que moi. Par contre, ce que je veux dire ici, c'est que même si vous n'aviez pas choisi le vecteur que j'ai choisi dans l'espace propre, si vous avez choisi juste un troisième vecteur un petit peu au hasard, bah c'est pas grave, normalement ça devrait compléter quand même votre espace, votre base de diagonalisation, puisque de toute façon la dernière va s'écrire en fonction des deux premières et bah de la dernière elle-même. Donc quoi qu'il arrive, si vous décidez de mettre le dernier vecteur à la fin de votre base de diagonalisation, enfin de votre base de trigonalisation plutôt, si vous préférez le mettre à la fin, bah vous allez avoir une matrice triangulaire, sauf que vous n'aurez pas une matrice triangulaire aussi gentille que ce que j'ai là. Vous aurez peut-être ici donc le 3, le moins, ou peut-être le mieux, ça serait d'écrire moins 3, 3. Et puis ici, vous auriez peut-être 3 ici. Et puis les deux valeurs ici bah, peuvent être des valeurs quelconques, qui ne sont pas nécessairement nulles. Donc ça veut dire que la solution que vous avez trouvée en bas va se répercuter au-dessus et encore au-dessus. Résoudre l'équation différentielle et conclure. Donc quoi qu'il arrive, on peut faire ça comme ça. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est par rapport à une résolution plus rapide qu'on aurait pu faire si on a les connaissances adéquates. Car peut-être certains d'entre vous qui ont des connaissances de L3, voire un petit peu au-dessus, pourraient se dire, mais en fait, on peut résoudre cette équation très 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 rapidement. Je vous l'accorde, mais ça demande quand même un peu de calcul. En effet, le fait de savoir que l'équation différentielle s'écrivait de cette manière-là, il y a... comment dire, une propriété de cours, on va dire, liée à ce qu'on voit en licence sur les différentes, donc sur les équations différentielles et notamment les systèmes d'équations différentielles, qui permettent d'affirmer que les solutions s'écrivent. Bah en fait, je vais avoir exponentielle de la matrice fouettée, le tout fois un certain vecteur initial qu'on peut appeler x0, qui serait une constante. Donc voilà. Donc en fait, les solutions s'écrivent de cette manière-là. Et alors c'est assez marrant d'ailleurs, hein. Donc là c'est assez marrant de reconnaître quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait déjà dans le cadre donc dans le cadre usuel, c'est-à-dire dans le cadre où on a juste des réels quoi. C'est juste ici l'exponentielle matricielle qu'il faut utiliser. Mais c'est là la difficulté, il faut pouvoir calculer cette exponentielle matricielle. Alors quand elle est diagonalisable, c'est simple. Parce que quand elle est diagonalisable, A va s'écrire
P fois D fois P moins 1, et du coup exponentielle de A fois T peut s'écrire, bah, finalement, P moins P, pardon, fois exponentielle de D fois T, fois P moins 1. Et une petite propriété sur l'exponentielle, donc ça c'est une première propriété sur l'exponentielle matricielle, une deuxième propriété me permet de dire que l'exponentielle d'une diagonale, bah, c'est juste la diagonale des exponentielles. Donc au final, je vais me retrouver avec P fois... et bien je vais faire exponentielle de lambda 1t, exponentielle de lambda 2t, exponentielle de lambda 3t, etc. Fois p moins 1. Et ça, bah, c'est exactement le type de solution qu'on rencontre si c'était diagonalisable. Hein. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit rapidement dans le cas où c'était diagonalisable, on arrivait bien à des solutions de ce type. D'accord ? Et puis après, bah, il faut multiplier par les constantes. Donc le x0, il est là pour dire, bah voilà, il y a des constantes quand même dont il faut se préoccuper. Mais sinon... L'idée de l'écriture des solutions, c'est vraiment la même. Vous remarquez que c'est vraiment la même. Et en fait, bah, de manière générale, même si c'est pas diagonalisable, cette résolution peut marcher. D'accord ? Donc la résolution qu'on propose ici avec exponentielle de AT peut fonctionner. La seule difficulté, c'est de calculer cette exponentielle de AT. Et ça, bah, ça demande un peu de calcul quand même à faire. Mais sinon, en dehors de ça, si on est capable de calculer cette exponentielle de AT, on aurait terminé. Et donc voilà, ça, c'est une autre possibilité de résolution d'équation différentielle. Juste pour vous dire que ça colle avec la méthode qu'on vient d'employer, avec toute la réduction et tout ça qu'on vient de faire, ça colle totalement avec cette méthode. C'est juste que, bon, bah là, ça permet de directement donner un résultat qui marche, et puis basta. Puis une fois qu'on a un résultat, bon, après, soit on se dit, ok, bah, je l'applique et je vais rendre ça dans l'ordinateur, soit, bah, si on doit faire les calculs à la main, c'est quand même peut-être un peu plus pratique de faire toute la méthode que je viens de faire là, plutôt que de calculer une exponentielle, parce que, bon, calculer une exponentielle matricielle à la main, bon, ça vous demande de petites techniques quand même. Là, notamment, bah, il faudrait quand même utiliser la trigonalisation. Donc ça, vous en avez besoin. Vous ne pourrez peut-être pas passer à côté si vous devez faire le calcul à la main. Et puis, une fois que vous avez la triangulaire supérieure, il faut voir qu'est-ce qui se passe quand on calcule une exponentielle d'une triangulaire supérieure. Donc ça demande encore quand même du boulot, hein, mine de rien, si on voulait essayer de calculer cette exponentielle. Mais j'affirme que si vous faites ça, vous allez trouver la même réponse. Et d'ailleurs, ça me permet de dire un truc encore plus général. Je ne sais pas si vous y attendiez, mais... Si j'avais une équation qui s'écrirait une fonction matricielle, donc c'est-à-dire qu'à la place des constantes que j'ai écrites, je mets des fonctions qui dépendent de t, et bien la résolution avec l'exponentielle marche encore. Hein, donc c'est-à-dire qu'il faudrait déterminer une primitive de a de t. Donc, ouais, peut-être choisir un petit peu les variables quand même. Donc x... Il faudrait choisir une primitive de la matrice fois x0. Il se trouve que la résolution qu'on fait là, ben, ça marche encore. Ça marche encore. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des primitives pour chacune des composantes de la matrice. Ça devient lourd. Hein. Ça devient lourd quand même comme truc. Mais voilà, en effet, on pourrait faire ça. Alors bon, quand je dis des primitives dans chacune des coefficients, c'est peut-être, faut faire peut-être un petit peu attention à ce que je viens de dire. Il y a peut-être des trucs en plus que j'ai pas vraiment en tête. Mais voilà, il y a une question de calcul de primitive d'une fonction matricielle. Et d'ailleurs, primitive, en quel sens d'ailleurs, on pourrait aussi se poser un petit peu la question. Mais normalement, comme c'est que des fonctions qui dépendent de t, on n'a pas trop de problème avec ça. Mais enfin bref, c'est des questions qui peuvent se poser autour de ça, mais sachez que voilà, on peut quand même avoir une résolution plus générale encore dans le cadre matriciel. Bon. Ben voilà, ben, je pense que j'en ai dit suffisamment sur cet exercice. Ça fait déjà une bonne dose de connaissances, hein, j'espère. Que, encore une fois, ça vous a plu, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, pardon, ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice et cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à, alors oui, là, c'est me soutenir via PayPal. Ici, vous abonner, ça peut être utile, hein. On a dépassé les 2000 abonnés, c'est quand même cool, donc moi je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de gens intéressés par la chaîne, donc merci beaucoup pour votre intérêt, ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, de nouvelles vidéos pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, bonne semaine, bon courage à vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous !